Bonjour à tous, merci d'être euh, ici pour cette euh, masterclass euh, en cette fin d'après-midi pour la Paris Electronique Week. Je me présente rapidement, je suis Jean-Paul D'Agneau, je suis cofondateur du média de l'écologie locale Pioche. Euh, et nous avons le plaisir et la fierté d'accueillir Samuel Valenci aujourd'hui avec nous. Euh, Samuel, tu es auteur-metteur en scène, acteur. Euh, et tu as, cofondé, tu as fondé pardon, la compagnie de théâtre euh, La poursuite du bleu. Euh, mais ce n'est pas pour ça qu'on t'invite aujourd'hui. Euh, la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es chef de projet au Shift Project, euh, de, chef, de, chef de projet culture pour le Shift Project, et donc tu as construit, réalisé un rapport euh, sur euh, le poids euh, de la culture. Euh, en tout cas l'impact de la culture dans, pour, le, pour la, le réchauffement climatique pour la crise climatique, dans, sur le climat et, euh, et surtout euh, comment euh, quel levier, sur quel levier peuvent s'appuyer les acteurs de la culture pour, pour améliorer leur, leur impact carbone euh, très simplement, je pense que c'est aussi bien de, de commencer par là euh, est-ce que tu peux présenter toi ce qu'est le The Shift Project pour ceux qui ne connaissent pas et peut-être le, le travail que tu... Euh, qui a fait depuis, depuis maintenant plus, plus d'un an. Euh, avec plaisir. Bonjour à tous. Euh, merci pour votre présence et votre présence notamment sur les réseaux sociaux. Il paraît que c'est live streamé, donc je crois que c'est la meilleure introduction possible à la conférence. Euh, je vous invite donc, si vous êtes sur Internet, à passer directement la qualité du streaming à la qualité la plus basse possible, a priori, tout ce qui vous intéresse, c'est ce qui est raconté et pas forcément ce qui est visible, puisqu'on ne bougera pas, et a priori l'écran non plus. Donc euh, voilà, pour commencer. Euh, du coup, pour euh, revenir à ce qui, ce qui nous intéresse, The Shift Project, c'est une euh, association, c'est un think tank, dont le but est d'éclairer et d'influencer sur les enjeux énergie-climat. Euh, c'est ça euh, le but de cette association, et si elle le fait, c'est parce que... Euh, euh, nous vivons dans une économie qui est soumise à ce qu'on appelle la double contrainte carbone, c'est-à-dire que d'un côté, nous sommes dépendants à 83% de l'énergie qu'on consomme d'énergie fossile, euh, qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, essentiellement du CO2. Et ce CO2, s'il est mis là tout de suite maintenant, il va réchauffer l'atmosphère pendant 10 000 ans. Il va réchauffer le climat pendant 10 000 ans. Il va rester dans l'atmosphère pendant 10 000 ans. Donc il y a une grosse inertie climatique. Et on voit bien que là, aujourd'hui, on est en train de se diriger vers un monde à plus +4, plus +5 degrés, qui sera absolument insoutenable, invivable, qui rendrait une très grande partie de la surface de la Terre inhabitable. Et donc ça, c'est la première partie de la contrainte carbone. J'ai plein de bonnes nouvelles à vous annoncer, donc je commence par là. Et puis il y a la deuxième partie de la contrainte carbone, c'est que toutes ces énergies dites fossiles sont des restes de vie ancienne. Elles mettent donc un temps très long à se former. Euh, du pétrole c'est une énergie tout à fait renouvelable il suffit d'avoir entre 20 et 200 millions d'années devant soi et ça se renouvelle bon pas de bol on les a pas et on tape très très vite dans le stock et comme le stock est fini a priori tôt ou tard euh, au robinet il n'y aura plus de réponse euh, ce qui fait d'ailleurs que le pétrole conventionnel celui qui est le plus facilement accessible euh, voit ses pluies décliner en termes de production de 9% par an à peu près donc euh, en gros on a dépassé déjà le pic pétrolier la production pétrolière sur le pétrole conventionnel ne fait que se réduire Autrement dit, que ce soit pour les bonnes raisons climatiques ou euh, pour les bonnes raisons de raréfaction des ressources énergétiques, soit on va faire la transition, soit on va la subir. C'est ça les enjeux. Et dans ce cadre-là, The Shift Project cherche à éclairer le plus possible sur comment est-ce qu'on peut faire la transition. Comment est-ce que je suis arrivé là-dedans, du coup C'est ça. Ouais. Comment est-ce que tu es arrivé là-dedans et, et quel travail maintenant tu, tu, as, tu as fait depuis maintenant plus d'un an ouais. Alors, à la base, je suis auteur et metteur en scène. J'ai changé déjà avec The Shift Project parce qu'en parallèle de la compagnie que, que j'ai créée, La Poursuite du Bleu, euh, je bossais en CDI euh, dans un boulot, dans une start-up dans la vidéo. J'étais directeur artistique d'une boîte qui s'appelle Pitchy. Et euh, j'ai changé beaucoup avec le, le Shift parce qu'à l'époque, euh, enfin, le Shift sortait les premiers rapports sur l'impact de la vidéo. Et puis j'ai décidé de quitter ce euh, boulot dans la vidéo, ce CDI à temps plein, confortable, etc pour ne faire que du théâtre, et je l'ai quitté fin mars 2020, pour faire du théâtre. Donc j'ai eu plein de temps pour moi, beaucoup. Et à ce moment-là, The Shift Project m'a appelé, et The Shift Project lançait un projet humblement dénommé le plan de transformation de l'économie française. Et le but du plan de transformation de l'économie française, c'est d'imaginer la transition dans tous les secteurs de notre économie. Et quand je dis dans tout, c'est les classiques dont on parle toujours quand on parle de transition écologique, les transports, l'énergie, les bâtiments, le fret, etc., etc. Mais aussi les secteurs dits serviciels, comme la santé, l'administration publique et la culture, en l'occurrence. Et donc ils m'ont proposé de commencer à travailler sur le secteur culturel. Et j'ai dit oui, j'ai un peu de temps. Ils m'ont dit ça tombe bien, ça devrait durer 3 à 6 semaines. Bon, ça fait un an et demi. On a sorti un rapport intermédiaire en mai dernier et on sortira le rapport final, si tant est qu'il y puisse y avoir une fin à ce projet, euh, en décembre. Et le but, c'est d'influer un petit peu sur les politiques publiques, euh, notamment celles qui vont se décider en 2022. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des, des quelques événements qui nous attendent à ce moment-là. Alors c'est marrant parce que du coup, on, on parle de culture et, et c'est vrai que souvent, quand on parle de l'impact climatique de la culture, on nous répond... Euh, oui, mais euh, en fait, euh, ce, qui, ce qui compte, c'est euh, le, le transport, puis surtout les gros industriels. C'est là qu'il faut, qu faut travailler. Pourquoi est-ce que vous embêtez euh, le monde de la culture, euh, qui déjà souffre euh, de la crise, etc. Euh, je te pose la question, pourquoi est-ce que vous, vous cherchez euh, des noises à la culture sur, ce, sur cette question-là Alors déjà, c'est tout le contraire, parce que comme je le disais au début, le but, ce n'est pas de chercher des noises à la culture, au contraire, je suis moi-même acteur culturel. Le but, c'est plutôt de juste constater là où on en est, et que dans un monde qui est à risque d'un point de vue sanitaire ou à risque d'un point de vue énergétique, la culture sur les modèles actuels, on est en train de vivre une petite expérimentation des modèles actuels, là, dans cette salle, euh, ne peut pas perdurer. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire, on est en train de dire qu'on est à risque et qu'on a tout intérêt à changer. Alors pourquoi euh, aller euh, calculer les émissions de CO2 euh, du secteur culturel ben en fait, souvent quand on approche le problème climatique, on dit l'essentiel de l'enjeu, c'est les transports, c'est l'énergie, c'est les bâtiments, c'est le fret, etc. etc. D'accord, mais si vous voulez changer de régime alimentaire, vous regardez le plat ou les couverts. Parce qu'en fait, c'est là-dessus qu'on fait une obsession en ce moment. On regarde les transports, mais on ne se demande pas à quoi ils servent. On regarde l'alimentation, mais on ne regarde pas qui mange. On regarde les bâtiments, mais on ne regarde pas ce qui s'y passe. Et en fait, si vous regardez la culture dans tout ça... Bah juste sur les transports, la culture, c'est la troisième cause de mobilité des Français avec les loisirs. Donc en gros, les Français, ils se déplacent pour trois trucs. Ils se déplacent pour le travail, pour les achats et pour la culture et les loisirs. C'est ça l'essentiel des déplacements. Si on regarde les bâtiments, c'est des dizaines de milliers de bâtiments en France, labellisés comme celui-ci. Euh, si on regarde, je ne sais pas, l'alimentation. Ben, sur un grand festival, ça peut être très rapidement des milliers de tonnes de, de carbone en quelques jours. Et pourquoi on compte ces milliers de tonnes de carbone Parce que, comme je le disais au début, ils traduisent un risque, donc la pérennité des activités euh, des acteurs culturels. On parle de plus en plus de l'impact du numérique, oui c'est ça, euh, donc on en parle de plus en plus, et il s'avère qu'en fait l'essentiel du numérique, mais je crois qu'on va y venir, euh, est très 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 utilisé pour la culture. Du coup, donc, euh, vous avez bossé avec ton équipe pour construire ce rapport. Euh, comment, comment vous y êtes pris finalement pour calculer des, des, des quantités de CO2 Je crois qu'il y avait assez peu d'informations sur le sujet au départ. Euh, quelle était votre méthode voilà, comment... Alors C'est Anaïs Roche qui a créé la partie culture au sein du Shift Project. Et puis en effet, on est assez nombreux. Il y a Fanny Valenbois qui travaille plutôt sur le livre et l'édition. Avec Charles Gachet d'IEZ, on essaie de bosser sur la production audiovisuelle. Et puis euh, j'ai l'aide de Juliette Vigoureux sur la partie euh, bilan des salles de cinéma. Enfin, voilà, on a beaucoup beaucoup de coups de pouce pour faire euh, tout ce travail-là. Et euh, du coup, j'ai perdu le fil euh, de ta question, pardon. Quand vous y êtes pris pour pour avoir des informations euh, sur euh, bah, pour, comment construire ce rapport, alors que l'information manquait au départ Alors au début, on a voulu euh, trouver des infos disponibles. Donc ça, ça, ça a été assez rapide parce qu'il n'y en avait pas. Donc euh, du coup, on, on a été très efficace sur ce, sur ce plan-là. Il y avait euh, trois bilans carbone dans chaque secteur, donc ça nous permettait de, de gagner du temps. Pas par malveillance, juste parce que euh, les acteurs culturels, dont moi, euh, on n'est pas formés à la base aux enjeux énergie-climat. Il faut se former tout seul, donc ça prend du temps. Et puis aussi parce que c'est une question de moyens. En fait, faire un bilan carbone, par exemple, ça demande beaucoup de temps, puisque un consultant extérieur va venir poser des questions à toutes vos équipes pour mesurer les flux physiques, pour avoir une idée de quels sont vos impacts et donc les risques qui sont associés à votre activité. Comme on travaille déjà beaucoup dans l'urgence dans le secteur culturel, je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Du coup, a priori c'est pas évident. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité du temps très calme. Pour le secteur culturel, qui était l'année 2020, pour passer plein de coups de fil avec des gens et demander, secteur par secteur, euh, qu'est-ce qui se passe physiquement parlant Donc, d'approcher un peu l'activité économique plus par les flux physiques euh, dont elle dépend. Donc, par exemple, euh, on appelle un festival de musique actuel et on demande, mais d'où viennent les spectateurs Combien de kilomètres ils font euh, Avec quels moyens de locomotion euh, Et puis, petit à petit, on a commencé à émettre des hypothèses. Et les artistes, ils viennent d'où et il y a combien de tonnes de matériel déplacé sur chaque date, et combien de semi remorques pour tel artiste, etc., etc. Et très vite, en fait, on se rend compte que l'impact est colossal. Euh, je donne souvent un chiffre sur les transports. Je disais que s'il y a 3% des visiteurs des vieilles charrues qui viennent en avion, ils font 60% des émissions des transports. Donc on voit bien que en fait, plus un festival, un grand événement va être dépendant de flux lointains, plus il va demander beaucoup, beaucoup d'énergie et donc émettre beaucoup, beaucoup de CO2. Pour se pour se réaliser. Et du coup, ce, ce chiffre de 3% n'est pas du tout virtuel puisque a priori sur un festival de près de 300 000 personnes, il y a potentiellement 3% qui qui viennent. On peut parler du Hellfest aussi qui fait venir beaucoup de public, beaucoup de monde de, de, de l'étranger. Il y a d'autres festivals comme le Tomorrowland par exemple oui. qui ne se remplissent qu'à l'aide du booking de compagnies aériennes polonaises, tchèques, slovaques, etc. Donc là, pour le coup, on est sur des modèles qui sont Intenable, je veux dire, faites une pause sur l'énergie qu'on consomme là-dedans ou imaginez une crise sanitaire au milieu de tout ça et une réduction des flux. Ce, ce festival n'existe pas. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit par exemple un établissement comme le Musée du Louvre a une, une empreinte carbone d'à peu près 4 millions de tonnes de CO2. Euh, pour vous donner juste une petite idée, euh, 2 tonnes de CO2, c'est à peu près un aller pour, pour New York euh, en avion depuis Paris. Donc voilà, 4 millions de tonnes de CO2 et l'essentiel, ce sont euh, les déplacements des visiteurs euh, étrangers. Donc on voit bien ce qui se passe en fait là avec la période de crise. L'essentiel des subventions euh, censées euh, réparer le chiffre d'affaires ou l'activité euh, euh, non exécutée euh, va directement à ces établissements-là. Le Louvre est le premier en termes de subventions reçues cette année. Donc on voit bien aussi le risque en termes de pérennité, euh, qu'elle soit en termes d'emploi, mais qu'elle soit aussi en termes économiques. Donc euh, voilà, ça traduit tout, tout à fait les risques euh, évoqués. Alors, donc évidemment le sujet c'est le, le, le numérique et le, et le streaming. Euh, avant ça du coup pour un peu euh, euh, clore cette introduction euh, parce que du coup on, là on fait l'état des lieux des, de, ce qui, de ce qui se passe et peut-être des soucis. Vous êtes aussi là pour du coup, enfin votre travail est aussi là pour euh, apporter des solutions, pour essayer de, de proposer des choses aux acteurs. Est-ce que tu pourrais euh, peut-être euh, voilà nous dire quel type ou plutôt euh, euh, je crois que vous avez un peu une typologie de, de, de transformation. C'est assez parlant, je trouve, et peut-être que vous avez quelques exemples sur ces différents types de, de transformation pour montrer qu'il n'y ben, a pas seulement le constat, mais y a aussi des, vous avez aussi travaillé sur, euh, sur des, des, des solutions. En fait, on a essayé de trouver une manière de parler aux acteurs qui ne soit pas tétanisante et au, qui, au contraire, donne envie d'agir. Parce que souvent, le premier réflexe, c'est euh, ⁇ Ouh là là, mais on n'a pas les moyens de faire la transition, la transition, ce n'est pas rentable, c'est trop compliqué, organisationnellement, on ne peut pas s'en occuper, etc. ⁇ donc, euh, en fait, on a cherché à regarder est-ce que c'est vrai pour toutes les mesures, tout simplement. Et on a proposé une espèce de typologie de mesures en disant, bah, en fait, il y a des typologies qui sont transparentes, c'est-à-dire qu'elles ne changent pas mon métier, elles ne me font pas dépenser plus d'argent, parfois elles me font même faire des économies. A titre d'exemple, dans ma compagnie euh, La Poursuite du Bleu, on est très engagé sur le fait que 100% de la régie euh, est végétarienne. Euh, on fait plein d'autres choses, mais euh, on fait 100% de la régie en végétarien. Bon, bah, par rapport à un régime carné avec. Euh, de la viande, et en particulier de la viande rouge, on se retrouve avec des émissions qui sont divisées par 10 ou par 12 sur ce poste-là. Et donc on peut, on peut tout à fait changer ça. Qu'est-ce que ça a changé au métier de, des comédiens qui travaillent avec moi Rien. Qu'est-ce que ça a changé au métier des scénographes qui travaillent avec moi rien, des vidéastes qui travaillent avec moi rien, de mon métier rien. Donc sous-entendu, ça m'a pas coûté plus cher non plus. Donc ça, a priori, c'est à ma main. C'est quelque chose que je peux faire demain matin. C'est quelque chose de transparent pour mon activité. Parfois, il y a des résistances culturelles. Aller expliquer qu'il y aura plus de galettes saucisses à des festivals bretons, ça va pas être simple. Mais euh, il y a parfois d'autres résistances, mais celle-là, en tout cas, je pense qu'elle change pas nos métiers à proprement parler. Et après, il y a des mesures qui sont, on va dire, plus positives, c'est-à-dire qu'elles vont lancer la transition aussi chez d'autres personnes. Par exemple, si cette alimentation, je décide aussi de la passer en bio et en local, clairement, je vais avoir un impact sur ma demande, sur l'agriculture locale, et donc je vais enclencher la transition ailleurs. Ça va peut-être me coûter un peu plus cher, mais peut-être que le gouvernement a intérêt à m'aider là-dessus, parce que je vais créer de l'emploi plus soutenable. Pareil, si je fais la rénovation thermique d'un bâtiment, a priori, je vais changer de système de chauffage, mais je vais aussi demander des emplois pour la maintenance, etc. Donc, ça, l'État a intérêt à m'aider. D'ailleurs, il le fait sur la rénovation thermique. Et après, il y a des mesures qui sont plus désagréables, on va dire ça comme ça. Très concrètement, quand on regarde des très grands festivals, on dit que la jauge est inadaptée au lieu dans lequel ces festivals se trouvent. En fait, on ne peut pas faire venir rais raisonnablement 300 000 personnes au milieu de nulle part, dans un endroit qui est très peu euh, desservi par les transports en commun. Et peut-être que c'est beaucoup plus intelligent de faire plus de petits événements tout au long de l'année. Et ce sera plus soutenable de faire tourner des artistes un peu plus localement pendant plus longtemps. Donc euh, là, pour le coup, c'est une mesure qu'on appelle offensive, c'est-à-dire qu'on va vraiment changer son organisation, modifier les horaires des spectacles ou de ses activités pour s'adapter aux réseau de transport en commun. Et aux horaires des transports, c'est une modification possible. Et il y a une dernière sorte de modification de, de transformation qu'on peut réaliser, qu'on appelle un peu défensive, c'est-à-dire oh il y a un super truc qui va être très énergivore, ben bah, n'y allons pas. C'est une proposition de renoncer à des trucs. Donc par exemple les clauses d'exclusivité territoriale. On en a beaucoup parlé euh, ces derniers jours, oh, ouais. ça revient beaucoup on en a beaucoup entendu parler notamment il y a quelques mois parce que en fait quand Céline Dion vient en France par exemple il y a des clauses sur son contrat qui lui interdisent de tourner en France voire en Europe pendant X mois voire X années. Donc euh, même en étant le meilleur manager d'artiste du monde, ça va être compliqué de penser une éco tournée euh, derrière ça une tournée raisonnable, plus lente, euh, plus on va dire euh, raisonnée par rapport à là où on joue. Ça c'est très compliqué à imaginer s'il y a des clauses d'exclusivité territoriale. Donc ça c'est quelque chose à retirer et après dans le numérique il y a quantité de trucs où on ne devrait pas aller, mais je crois qu'on va avoir le temps d'en parler. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs euh, grâce à. Enfin, c'est ce sur ce, sur ce sujet-là qu'on qu qu a voulu accès ce temps, ce temps aussi d'échange. Euh, parce que en fait, c'est... Le jour où, où on s'est rencontré, donc c'était à l'appel des indépendants à, à Lyon, et euh, c'était je prends une petite minute pour ça parce que c'était assez, assez éloquent. Euh, l'appel des indépendants donc a été organisé à Lyon pour restructurer et, euh, et réfléchir un petit peu à ce que pouvait faire le secteur culturel sur différents domaines et euh, dont l'écologie. Et donc il y avait euh, des groupes de travail, on était une trentaine peut-être quelque chose comme ça, euh, d'organisateurs de, de festivals, de salles, euh, d'artistes, de journalistes, etc. Et, euh, et du coup, on réfléchissait à, voilà, à différentes solutions. Mais cette, ce temps d'échange et de réflexion avait été introduit par, euh, par une de tes, euh, de tes masterclass, justement, de, de, de tes conférences. Et, euh, et, et c'était assez intéressant de voir en fait, le, la prise de conscience déjà des acteurs culturels qui n'avaient pas ces informations. Tout le monde était un peu secoué. Et, euh, et notamment sur, euh, sur le numérique. Euh, parce que c'est vrai qu'on est euh, tous très utilisateurs de... Bah, de, de, de de vidéos, de contenus en ligne, etc. Mais on, 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 voilà, on a on ne on s'imagine pas en fait à quel point la culture a un poids euh, sur, euh, sur, sur ce domaine-là et sur le poids climatique, ou en tout cas l'émission ouais, de CO2 de, euh, en général. Euh, comment vous vous avez abordé cette question-là et comment vous avez eu l'intuition que sur le numérique il y avait, il y avait vraiment quelque chose à, à réfléchir, parce que c'est voilà, quelque chose sur lequel on ne pense pas forcément euh, euh, travailler. Ça fait quelques années que The Shift Project est assez familier du sujet numérique. Il y a Maxime Fouy S et Hugues Ferboeuf qui font un travail en profondeur sur ces enjeux-là. Donc je vous invite à lire leur très bon rapport. Déployer la sobriété numérique ou l'impact de la vidéo en ligne. Il y a beaucoup de choses vraiment qui étaient déjà réalisées par le Shift. Et ce qu'on nous dit en fait, c'est que le numérique, ça nous est toujours un peu raconté comme une histoire immatérielle. Tout se passerait par de la data, en cloud... Mais en fait, la réalité, c'est une réalité très matérielle. C'est des serveurs, c'est des câbles, c'est des antennes, c'est des réseaux, c'est des gens qui les entretiennent, c'est une consommation d'énergie en face. Et tout ça a un poids. Et ce poids, on l'estime. Alors selon les études, d'après le Shift, c'est plutôt entre 4 et 5 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ça augmente, bien sûr. Au et ça augmente de 8 par an. Donc ça veut ouais. dire concrètement que ça double tous les 10 ans. Donc en termes de croissance pas soutenable, c'est un truc assez éloquent. Quoi. Euh, par ailleurs, ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'en fait, ce poids, il est réparti entre d'un côté la fabrication des terminaux et euh, de l'autre, l'utilisation de tous ces réseaux qui consomment beaucoup d'énergie, donc les data centers notamment. Donc en fait, quand on regarde ça comme ça, on, on comprend un peu mieux à quel point les usages, mais je crois que c'est ce, ce dont je vais parler juste après, mais les usages vont modeler les infrastructures, les changer et leur demander d'être de plus en plus euh, consommatrices d'énergie. Parce que en fait, il euh, y a un chiffre qui m'a assez surpris quand j'ai lu la présentation de, de, du, du rapport. C'est le, 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 la quantité de, de, de la culture, enfin le poids de la culture dans les échanges de données. C'est assez, assez fou quand même. Est-ce que tu peux, tu peux nous, nous présenter ce chiffre et... En gros, euh, si vous avez un forfait 100 gigas euh, par mois, ce qui est possible maintenant. Si vous avez un forfait 100 gigas par mois que vous consommez en totalité, euh, sur ces 100 gigas, il y en a 30 qui vont être... Pour la VOD, en moyenne, c'est ça, euh, c'est ça, euh, les usages du numérique. Donc il y a 30 gigas que vous consommez pour à moitié Netflix et le reste de la VOD et de la télé payante. Ça c'est le premier gros poste. Le deuxième poste qu'on peut rajouter dans la vidéo en ligne, c'est euh, la pornographie, qui est à peu près 20% de la donnée consommée, à peu près, donc 20 gigas sur 100. Euh, qui est de la culture. Qui est de la culture, c'est de la production euh, audiovisuelle et de l'édition audiovisuelle. Ça ne plaît pas aux acteurs culturels, mais c'est de la culture factuellement. Euh, par ailleurs, on pourrait rajouter le jeu vidéo, euh, Twitch, Nintendo, etc. Là, on est à peu près à 9-10% euh, de la bande passante, avec euh, PlayStation Live et tous ces systèmes-là. Et puis, on pourrait, donc euh, industrie culturelle, on pourrait rajouter aussi le streaming musical, qui est de 0,5% à peu près de la bande passante. Ça, c'est avant que Spotify commence à vous envoyer des clips à chaque lecture de vidéo, donc on va voir comment ça évolue. Euh, Qu'est-ce qu'on peut ajouter On peut aussi ajouter là-dessus tous les tubes, YouTube, Vimeo, etc. Il y a 80% des Français qui les utilisent pour leur écoute musicale, notamment en soirée. On adore regarder des clips en 4K qu'on écoute. C'est intéressant comme pratique. Euh, donc ça, typiquement, c'est un usage du numérique euh, qui est culturel. Et puis, euh, il faudrait rajouter tous les lives qui sont faits sur les réseaux sociaux euh, et qui sont culturels. Salut. Euh, donc ça, pour le coup, ça a un poids aussi. Et on n'a pas les données. Parce que c'est les GAFAM qui les ont, mais en gros, on peut estimer ça entre 5 et 10%. Et donc, si vraiment on fait la somme de tout, la culture, c'est à peu près 80% des données qu'on consomme sur Internet. Donc, je dis pas que les réseaux ont été construits euh, pour regarder le bureau des légendes dans le métro, je dis juste que factuellement, c'est ce qui se passe. Enfin, euh, Qu'est-ce qu'on peut faire <laughs> bon, on, est, on est clairement consommateur de, de, de culture, on consomme des vidéos, etc. Est-ce que, euh, pour reprendre. Euh, une référence à notre ami Julien Doré qui <laughs> Est-ce que le petit geste compte à ce moment-là Ou est-ce que... Enfin, voilà, quel, quel levier de transformation on peut avoir sur cet état de fait qui, a priori, n'est pas prêt de, de basculer dans l'autre sens euh, J'aimerais euh, présenter le bout du problème avant d'aller vers les solutions, si ça te va. Bien sûr. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de gestes qui comptent, petits, grands. Euh, chaque gramme de CO2 est une dette pour 10 000 ans, comme je le disais tout à l'heure. Donc, euh, chaque fois qu'on réduit notre consommation énergétique, on réduit une dette qui va traîner 10 000 ans, donc euh, je, pour moi il n'y a pas de petits gestes sur ce sujet. Euh, et puis surtout, comme c'est systémique, euh, tous les gestes vont compter puisqu'ils vont modifier les usages. Euh, Est-ce que euh, les gens qui ont déjà entendu parler d'effet rebond peuvent lever la main Il y en a quelques-uns. Oui, il y en a mmh. deux ou trois. Mmh. J'ai les projecteurs dans les yeux, mais je crois qu'il y en a deux ou trois. Quatre ah, donc. <laughs> Ok. Euh, donc qu'est-ce qu'un effet rebond Un effet rebond, rebond c'est... Euh, le trafic en ville est perturbé, il est, il est saturé, il y a trop de voitures, donc on va créer le périphérique pour fluidifier le trafic. Résultat, tout le monde vit à 30 km de son lieu de travail et achète une voiture, et à la fin, le périphérique est saturé. Comme le périphérique est saturé, on rajoute une voie sur le périphérique. Résultat, les gens vivent à 40 km de leur lieu de travail et tout le monde achète une voiture supplémentaire, le périphérique est saturé. C'est un effet rebond. C'est-à-dire qu'à la base, le périphérique est pensé pour fluidifier le trafic. Et ce faisant, il fluidifie si bien le trafic, on n'y régule pas les usages et à la fin, il est saturé. Et donc, on a perdu en efficacité énergétique. Ça, c'est un effet rebond classique. L'histoire du déploiement du numérique n'est que ça. On a déployé la 4G. Et la 4G vous permet de regarder notamment la vidéo dans le métro. Euh, formidable usage, donc vous ne regardez plus en l'air, vous lisez plus 20 minutes au métro si ça rappelle quelque chose à quelqu'un. Euh, vous vous mettez non plus à lire un bouquin, mais à regarder des vidéos. Soit on se fait sa culture cinématographique dans le métro. Donc on tire sur la bande passante. De plus en plus. On pèse de plus en plus lourd en bits par seconde qu'on va consommer. Et donc on va petit à petit saturer ce réseau-là. Et puis, dans le même temps, vous avez Netflix et puis d'autres acteurs qui vont vous pousser des formats de qualité toujours supérieure. Et qui vont venir saturer petit à petit les réseaux aussi par cet effet-là. Pourquoi Parce qu'ils peuvent vous envoyer de la qualité supérieure avec la 4G. Du coup, notre secrétaire d'État au numérique nous explique qu'il y a un risque de saturation des réseaux. Risque de saturation des réseaux qu'on a vu au début du confinement, quand il y a eu des discussions avec les acteurs de la VOD pour dire, n'envoyez pas des fichiers trop lourds parce qu'il y a un risque de saturation. Et on ne veut pas que l'Internet craque, que ce soit l'Internet mobile ou l'Internet euh, euh, en Wi-Fi, l'Internet branché. Donc voilà, c'était l'un des sujets. Et donc on nous dit bah, il faut déployer la 5G. Donc on va déployer la 5G. Et la 5G va nous permettre de faire de la réalité virtuelle avec de la donnée mobile. Et la VR, pour donner juste un petit chiffre, c'est des fichiers 8K. Donc c'est des fichiers qui font jusqu'à 160 go pour un film de 2 heures à peu près. Donc en gros, on va saturer la 5G. Donc moi je vous dis vivement la 6G. Et c'est un peu cette dynamique-là qu'on a enclenchée et qu'on n'est pas du tout en train de, de remettre en question, au contraire. Je dis souvent, euh, quand je présente un peu ces données-là, que quand j'avais 20 ans, et soyez sympas euh, avec moi, j'avais pas 20 ans il y a très longtemps, euh, donc quand j'avais 20 ans, le format qui était incroyable, c'était le format HD Ready. On sortait des téléviseurs HD Ready, c'était la folie, et le format HD Ready, c'est le format 720 pixels qui est aujourd'hui globalement la qualité la plus basse que vous regardez sur Netflix. Euh, ça pèse à peu près 1 giga pour un fichier d'une heure et demie. Puis on est passé euh, au Full HD 1080, puis on est passé à la 2K, puis on est passé à la 4K qui fait 50 gigas, et là on va pouvoir, euh, grâce à la fibre et à la 5G, passer euh, à la 8K et à des fichiers qui sont 150 fois plus lourds que l'original dont je parlais. Donc ça c'est un petit peu la trajectoire. Que fait la culture dans ce truc-là Elle développe toujours des usages plus énergivores. Pourquoi Parce qu'elle le peut. Il euh, n'y a pas toujours une explication logique. On innove, mais ce n'est pas parce qu'on innove qu'on progresse. Et euh, on cherche toujours le format supérieur, mais a priori, pour des usages qui vont être sur des écrans 13 pouces ou sur mon téléphone portable, il n'y a pas besoin de fichier 4K, je suis incapable de faire la différence à l'œil nu entre du 1080p et de la 4K. Mais puisqu'on peut le faire, on va saturer le, le trafic. Et on va euh, acheter des mobiles. Euh. C'est aussi ça, dans, dans cet fait rebond, c'est aussi du coup la, la, le coût de, de l'adaptation mat du, du matériel qu'on utilise, euh, à la fois pour capter, euh, retransmettre et pour recevoir. Enfin, euh, je. je, je, je je, je suppose que c'est aussi une des conséquences. Et puis, idem pour les structures de, de, de data center, d'antennes, de, de, etc. Ouais. Tout à fait. Bah sur les antennes, c'est éloquent. C'est-à-dire que la 5G est réputée plus efficace énergétiquement. C'est-à-dire qu'a priori, pour la même quantité de données, vous consommez, vous consommez moins d'énergie. Euh, le seul problème, c'est qu'en fait, on n'a pas débranché les antennes précédentes. Donc, ça vient juste s'ajouter. Euh, donc, pour le dire très concrètement, la 3G est encore disponible parce que tous les terminaux bancaires de tous les restaurants et cafés où vous allez euh, sont branchés dessus. La 4G est encore disponible parce qu'on a, si vous n'avez pas renouvelé votre téléphone récemment, vous avez toujours un téléphone branché à la 4G, donc on ne va pas la débrancher. Et euh, la 5G, elle demande à ce que vous renouveliez votre téléphone. Or votre téléphone il pèse des centaines de kilos équivalents CO2 à l'achat, parce que c'est là que vous émettez le gros euh, euh, des émissions avec votre portable. C'est sa fabrication, le fait d'aller piocher euh, des terres rares une quarantaine de fois pour produire et assembler tout ça, qui coûte très cher en émissions. Donc euh, on voit bien comment ça pousse aussi au renouvellement des terminaux. Et il paraît que la 6G fait déjà partie du plan de relance. Donc, ce pas une blague tout à l'heure. C'est en, en marche, façon de le dire. Donc, euh, à la question le streaming est-elle une, 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 une si fausse, une fausse, une fausse bonne idée ou une fausse bonne idée A priori, euh, du coup, on, on, dit, on dit ok, donc c'est une mauvaise idée, on arrête le streaming. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire Je vais vous faire la, la réponse la plus emmerdante possible. Euh, ça dépend. Ça dépend parce que euh, le numérique, c'est un système, le numérique, c'est un outil. Et donc, euh, avec le même outil, vous pouvez faire du bien ou du mal. C'est ça que j'aimerais dire c'est que le numérique n'apparaît pas comme une solution de sobriété en soi, c'est plus par rapport à ce qu'on va en faire. Euh, a priori, avec ce que je viens de vous dire, on pourrait se dire la vidéo en ligne, euh, on arrête, c'est un désastre, on coupe tout. Mais il euh, y a un chorégraphe français qui s'appelle Jérôme Bell. Qui, il y a quelques années a eu une problématique, donc c'est un chorégraphe reconnu internationalement, donc il tournait beaucoup en avion, et euh, il s'est dit il y a quelques années j'ai un problème, je, je suis hyper engagé sur les causes énergie, climat, et pourtant j'ai cette réalité là, je suis inscrit dans cette réalité là. Euh, et il dit Ok, j'arrête de prendre l'avion. Il l'impose à ses équipes, c'est un choix très fort. C'est aussi un choix de remise en question du modèle économique qui est très important. Que fait-il dans la foulée En fait, il trouve des metteurs en scène et des chorégraphes locaux à l'étranger et des équipes qui vont recréer son spectacle grâce à quoi Grâce à des vidéos qu'il a enregistrées en répétition, qu'il met sur serveur, à disposition des artistes internationaux et il fait quelques répétitions suivies sur Skype avec eux pour leur permettre de recréer l'œuvre ailleurs et lui n'est rémunéré qu'en droit, euh, qui est un truc qui existe dans le théâtre depuis à peu près toujours, parce qu'on peut jouer... Euh, dans du Steinbeck ou du Lars Noren sans les avoir rencontrés, pour des raisons évidentes pour moi. Donc, euh, donc voilà, c'est tout à fait un bon exemple de ce qu'on peut faire avec le, le numérique. Et là, j'ai remplacé euh, mon usage qui était de prendre l'avion à chaque fois que je devais tourner mon spectacle. Maintenant, ces, ces spectacles ne tournent qu'en train, par quelques échanges vidéo sur une infrastructure déjà existante et avec des poids de fichiers raisonnés. Euh, là, le numérique est un outil génial, parce qu'on se base sur l'existant, on le mutualise... Euh, et on l'utilise dans la, la meilleure configuration possible. Donc en fait, comme c'est un outil, la question c'est toujours par rapport à quoi J'avais visité il y a quelques mois, j'ai beaucoup taclé la réalité virtuelle, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis un peu remonté contre la, la réalité virtuelle, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui va vers ça en ce moment, et que en fait ça ne va pas vers des emplois, c'est des arbitrages qui sont faits, et ça ne va pas vers des emplois locaux, soutenables. Euh, ça va vers des consommations énergétiques accrues. C'est ça qui m'embarrasse en fait, dans, dans, dans ce choix qui est fait. C'est que ça nous met à risque, finalement. Euh, J'ai beaucoup critiqué la VR, mais il y a des gens qui créent des programmes pour éviter à des cadres de prendre l'avion quand ils doivent déménager au bout du monde et juste de visiter le programme qui, dans lequel ils vont habiter en réalité virtuelle. Et ça tourne sur un programme local et il n'y a qu'un casque. et euh, voilà. Après, est-ce que c'était obligé de le faire en VR Je ne sais pas. Peut-être que des photos auraient fait l'affaire. Mais enfin, bon. Toujours est il que là je vois bien pourquoi c'est fait. Et donc le numérique n'est qu'un outil, et la seule question qu'on doit se poser s'il y a une notion de progrès, c'est on progresse vers quoi Donc pourquoi est ce qu'on déploie cette technologie? Et a priori, pour l'instant, la seule réponse c'est parce qu'on peut le faire. Mais cette réponse là, comme je le disais au début, elle est mise à mal pour toutes les bonnes raisons, qu'elle soit climatique, qu'elles soient énergétiques, euh, qu'on a pu évoquer. Donc, en rapport, vous avez été en rapport avec différentes personnalités et organisations de la culture. Quand tu leur présentes ça, est-ce qu'ils voient ça comme un frein à leur créativité, à leur possibilité Est-ce que tu as eu des, des réactions je, je sais pas, voilà. comment réagit le, le professionnel de la culture euh, Peut-être, tu vois, un artiste de, de, qui, qui fait de, de l'immersion ou qui, qui monte des structures, justement, numériques. On est de, ici à la Gaieté dans une programmation qui fait beaucoup de, beaucoup de choses en numérique. Pas facile de le dire, euh, en fait, euh, ouais, essaye de, 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 de décroître, tu vois, ton, ta créativité. En fait, euh, c'est pas parce que euh, l'innovation est jusqu'ici toujours passée par le renouvellement des terminaux que l'innovation va toujours continuer à adopter ce modèle-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est disponible pour le numérique, mais on ne se demande pas encore ce qu'on veut faire avec. On pourrait tout à fait décider que les 450 millions d'euros qui sont en train d'être distribués par le plan d'investissement d'avenir, quatrième volet, euh, ne, va pas servir, ne vont pas servir juste à renouveler les terminaux, mais on pourrait se dire que ça va servir à créer des filières de revalorisation euh, du matériel numérique, euh, de réparation du matériel numérique, à créer des filières françaises du reconditionné, comme il y en a quelques-unes, euh, à les développer, à les installer dans les villes. En gros, euh, à créer le vélib du vidéoprojecteur, pour faire un résumé très très basique. Mais c'est un peu ça les sujets sur, les sujets auxquels on est, est confronté quand on parle de sobriété numérique. Donc je crois au contraire que si on prend en compte ces contraintes-là, qui sont des contraintes d'économie d'usage et plus juste d'acquisition, de j'ai le matériel et puis euh, je le garde rien que pour moi pendant tout son cycle de vie, euh, mais au contraire je vais chercher à le rallonger le plus possible, là c'est des contraintes intéressantes pour la créativité et on voit qu'il y a des artistes qui répondent très positivement et d'ailleurs je discutais avec la directrice de la Gaîté Lyrique qui me disait c'est vrai que on devrait innover autrement comment est-ce que je vais faire pour intégrer ces enjeux-là ici et on voit bien quand on arrive dans cette salle il euh, y a 4 ou 5 projecteurs juste au-dessus de moi, c'est des vidéoprojecteurs qui font 10 ou 20 ou 30 000 lumens, donc c'est le plus puissant de ce qu'on puisse obtenir, juste au-dessus de ma tête je me mets à compter les tonnes de carbone et j'ai le vertige donc en fait euh, ces questions-là, elles sont là, ok on a pu faire ça Maintenant, combien de temps va durer ce matériel Comment on va rallonger sa durée de vie Comment on va le revaloriser localement Comment ça va créer des boulots Est-ce qu'on peut l'emprunter, le, le, le... le mutualiser autant que possible Et là, ça aura du sens, clairement. Et alors du coup, pour, parce qu'on en a parlé aussi pour préparer cette, cette intervention, euh, donc la culture sort d'une grosse période de crise. là euh, tu abordes des sujets très très lourds pour la culture, des, des sujets de réduction de jauge, des, des sujets de, de... alors il y a des choses très, voilà, comme tu disais sur l'alimentation, qui sont plus simples à mettre en place, euh, d'usage, de, 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 effectivement de mise en place de circuits de, de prêt ou de revalorisation du matériel, etc. Euh, on imagine l'oreille des acteurs de la culture un peu euh, un peu irritable en ce moment pour pour entendre ce genre de transformation. Euh, Qu'est-ce que tu leur réponds déjà Est-ce que cet cette écho-là, tu l'as eu Et puis, qu que, que, que leur répondre à ce moment-là En gros, est-ce que c'est le bon moment pour faire cette transition-là -ce que... En ah, voilà. fait, le choc émotionnel de ces derniers mois euh, est sans commune mesure avec toutes les décisions qui ont pu être prises par le passé. C'est-à-dire qu'en fait, en un an quasiment, il y a eu euh, en France Music Declares Emergency la fondation d'Art qui est un groupement d'acteurs engagés dans le spectacle vivant. Il y a le CNM, le Centre national de la musique, qui s'est créé et qui a lancé ses groupes de travail sur ces sujets-là. Il y a le syndicat des musiques actuelles et la fédération des lieux de musique actuelle qui a décidé de lancer des ateliers. Euh, il y a des salles qui font leur bilan carbone. En fait, le choc émotionnel a bien fait prendre conscience des risques liés à la manière dont fonctionnent euh, les acteurs culturels. Et, et intervient juste... auprès de tous ces publics-là, certainement. Oui, l'appel des indépendants fait partie d'ailleurs de ces groupements-là. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait, au contraire. Et puis il y a aussi juste ce phénomène qu'il y a énormément d'argent en train d'être distribué pour la relance et que c'est aussi l'occasion de dire ce vers quoi on veut le flécher et ce vers quoi on ne voudrait pas le flécher. Et je pense que les dés sont pas encore totalement jetés. Aujourd'hui, euh, il y a 450 millions qui va sur le numérique dans la culture et 20 millions pour la relance verte de la culture. Euh, je m'inquiète parce que ce n'est pas encore très concret tout ça, mais d'un autre côté, je me rassure parce que je me dis que ces 450 millions, ils ne sont pas bien fléchés encore. Et ce qu'on appelle numérique et innovation, ça peut aussi être autre chose que l'innovation qu'on connaît jusqu'à maintenant. Donc c'est vers ça qu'on doit tendre, qu'on essaie d'influer un petit peu sur le, sur le débat public. Et puis euh, enfin, je crois vraiment qu'il y, y, y a une prise de conscience massive parce qu'on se dit ce serait justement la pire des leçons que de recommencer exactement comme avant et donc vers une crise similaire. Tout ce que disent les rapports du GIEC, c'est qu'on euh, va dans un monde où, j'annonce encore des bonnes nouvelles, euh, les crises sanitaires sont amenées à se répéter. Donc est-ce que ce modèle-là, qui dépend de flux physiques lointains et permanents et très denses, est viable pour les acteurs culturels A priori, la réponse est non. Et donc, il euh, y a de bonnes raisons de changer. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, comme je viens de le dire, euh, qui l'ont compris. Donc une bonne nouvelle, euh, Atlas Oui, il y en a. <laughs> Euh, bon, il nous reste euh, bon, quelques minutes avant la fin de la, de la conférence. Je me demande si euh, déjà des questions peuvent surgir dans le public. N'hésitez pas à lever la main, il y a, des, il y a un micro qui pourrait tourner. Ah, je vois une question à droite là-bas. Simon, je crois que c'est toi. Ouais. On commence à se connaître, Simon. <laughs> Alors, ouais, on m'entend quand même. Très bien. Euh, alors moi, c'est une question qui a plus ou moins de rapport direct ou pas, mais est-ce qu'il y a des, un peu des recherches ou des, des choses qui sont faites justement dans... un peu pour l'idée que tu, que tu défendais d'avoir une innovation qui soit autrement que technologique en fait. Est-ce que c'est un concept qui est en train un peu d'être... Euh, enfin comment dire je sais pas vraiment développer euh, par exemple même au sein du Shift ou d'autres acteurs culturels euh, vraiment penser comme tel quoi, comme se dire euh, l'innovation ça peut être une innovation dans les, dans les fonctionnements dans les pratiques dans les usages plutôt que dans la technologie parce qu'on a en fait la plupart des, des sous qui vont à l'innovation euh, comme tu le dis euh, vont que dans de la technologie et même moi dans mon entourage en fait la plupart des gens quand ils imaginent l'innovation Imagine toujours des nouvelles technologies plutôt que des nouvelles manières de, de s'organiser, de faire, etc. Euh, je sais pas. Nous, nous au Shift, on produit pas de technologie, on produit pas. Voilà, notre but, c'est surtout de, de sensibiliser sur le besoin de changement organisationnel. Et c'est ce qu'on fait dans les rapports, et c'est vraiment ce sur quoi on, on attire l'attention. Par ailleurs, je suis pas anti-technologie. Euh, J'étais à Bordeaux hier, j'ai fait l'aller-retour en train, c'est une magnifique techno. Je suis Alors, et puis euh, de la gare je suis venu en vélo c'est une très belle techno aussi il euh, y a plein de technologies qui sont pas lourdes en termes d'émissions et il faut savoir les choisir euh, donc voilà hier à Bordeaux j'étais à côté de quelqu'un euh, qui fabrique des enceintes qui font danser 1000 personnes avec 60 watts par heure juste parce que au lieu d'avoir pensé un peu n'importe comment la salle, la salle a été pensée pour que le son soit bien sonorisé. Et son enceinte en l'occurrence, là c'est un mauvais exemple parce qu'il la balade en extérieur, mais son enceinte elle est pensée pour utiliser le moins d'énergie possible et avoir le plus de rendement possible. Comment s'appelle cette enceinte Il faut que je fasse la pub. Donc ça s'appelle Pikip, P-I-K-I-P, Pikip Solar Sound System. Donc je trouve que c'est une initiative qui est super intéressante. Qui sonorise d'ailleurs des festivals. On était tout à l'heure avec le, le festival La Part Belle qui disait justement que son empreinte carbone, non, sa consommation d'électricité était passée de 1500 kW l'année précédente et cette année à 150 kW en utilisant justement des, euh, la solution de Pikipe euh, Solar Ces systèmes-là, et d'ailleurs euh, Pikipe eux-mêmes, euh, ils ont innové en allant chercher. Euh, des enceintes qui s'appelaient la voix du théâtre à la base, qui sont des enceintes qui étaient très développées dans les salles dans les années 50-60 où juste en fait on n'avait pas le choix que de faire avec 50 et 60 watts, donc on cherchait à être le plus efficace possible. Clairement le fait d'avoir euh, ces faces là aujourd'hui dans une salle, c'est que la salle a été mal pensée ou que euh, l'enceinte n'est pas pensée euh, de façon à optimiser la, diffus la diffusion du son. On donc, parfois, à nouveau la, technologie... la pour son invitation <rire> oui. <rire> oui, vraiment euh, oui, vraiment, parce que ça permet de parler euh, du problème dans un endroit qui est concerné par le problème à tous les titres. Parce que ce modèle-là, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas tout à fait soutenable. Donc ça pose beaucoup de questions pour le modèle même, comment est-ce qu'on va continuer à innover dans des lieux comme celui-là? Euh, ce lieu a une chance, par exemple. Il est en plein Paris, il est juste à côté des transports en commun. Clairement, euh, le gros de l'impact ne va pas se jouer là. Il est branché sur l'électricité, euh, voilà. Il est branché sur une électricité. Un Après, il n'y a pas d'énergie propre. Donc, ça, pour être clair, on aura toujours des désagréments plus ou moins sympathiques en consommant de l'énergie. Donc, plutôt que de dire le nucléaire, c'est formidable l'éolien, c'est formidable il suffit de regarder les territoires de Mongolie intérieure pour comprendre que les métaux rares dont on a besoin pour électrifier absolument tout ce qu'on fait, ce n'est pas formidable. Donc, il y a toujours des impacts quelque part, et le nucléaire n'est pas une technologie formidable, c'est juste qu'elle est là et qu'elle émet peu de CO2, et que du coup, le fait de passer d'une énergie à une autre n'est pas forcément l'urgence du moment au vu du sujet climatique. Euh, mais voilà, c'est un, dé un gros débat. Mais ouais. juste parce que c'est vrai que de Shift Project a souvent une image pro-nucléaire, mais en fait, non, on dit juste qu'il y a cette techno qui est là, et que plutôt que de vouloir développer et acheter d'autres techno qui sont fabriqués avec beaucoup d'énergie fossile au passage, peut-être qu'on peut se concentrer à chercher les changements organisationnels qui vont nous permettre de réduire la consommation énergétique. Donc, que cette salle soit branchée sur le réseau électrique français aujourd'hui, ça l'arrange sur les enjeux climatiques. Mais à moyen long terme, l'enjeu c'est que sa demande d'énergie soit plus faible. Et ça pourrait passer par éteindre de temps en temps les, les vidéoprojecteurs qui sont au plafond. <laughs> Est-ce qu'on a une, une autre question qui surgit Oui, il y a une, une main qui se lève tout au fond là-bas. Bonjour, euh, je voulais savoir si Bonjour. vous aviez dans vos recherches, euh, enfin si vous savez en gros si le, la façon dont on euh, consomme la, la culture en streaming, elle vient, en, comme tu disais tout à l'heure, euh, se rajouter à la consommation qu'on a déjà de la culture ou elle remplace Parce que du coup, on pourrait se dire si ça remplace certaines consommations de culture et des déplacements, est-ce qu'on y gagne quelque part ou pas du tout Il y a une. Question qui va être aussi philosophique avant de parler de la question technique, c'est est-ce que du spectacle vivant sans personne dans la salle, c'est du spectacle vivant Et personnellement, je reconnais mon incompétence à écrire des spectacles vivants sans personne dans la salle. Je n'ai je pas été formé pour ça, je ne sais pas écrire de pièces de théâtre sans personne dans la salle. Pour parler de ce que tu évoques, je crois, c'est-à-dire du report modal, du fait qu'il y aurait des gens qui ne se déplaceraient plus mais qui regarderaient en streaming, c'est ça l'idée Je crois que c'est ça, oui. Entre autres. Du coup Tout de ça. salle, de bâtiments, de chauffage, d'électricité, c'est vrai qu'il y a potentiellement. Euh, ce qui serait formidable si on était sûr euh, de l'efficacité de ce report et du fait que ça n'empêche pas de vivre le moment dont on parle. Euh, là où je vais juste nuancer un tout petit peu, c'est qu'il y a beaucoup d'effets rebonds dont je parlais tout à l'heure quand on déploie une techno. Euh, ce qu'on a promis, là c'est un enjeu de sobriété numérique en disant euh, pendant la période Covid, il faut que la culture se numérise. Comme je vous l'ai dit au début de la conférence, la culture est déjà très numérisée. Hein, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de problème. Euh, mais bon, il faut que la culture se numérise, il faut qu'on puisse faire du live stream dans les salles. Donc des établissements investissent beaucoup d'argent à avoir des technologies de live stream dans la salle. Qui va être sur Vice et sur d'autres plateformes, via Facebook ou autre. Très bien, ok, soit. Les salles réouvrent. Vous croyez que les investissements vont rester sur le côté et qu'on va les oublier Non, on va faire le physique et le distanciel. On va ajouter les modes. Et par ailleurs, il y a un truc qui est assez pratique dans cette salle, c'est des murs. Ça limite la jauge. Je suis incapable de vous dire quelle sera la jauge limitée sur du numérique. Et pour donner juste un petit exemple, le concert de Jean-Michel Jarre en ligne. Euh, pendant le confinement, ça a fait 80 millions de vues. Son concert Alone Together, qui était en VR ou sur YouTube en vidéo 4K. Euh, donc à moins d'avoir une salle de spectacle de la taille de l'Allemagne, très concrètement, ce n'est pas possible de faire rentrer ce public-là dans une salle. Donc ça, ça fait partie des effets rebonds significatifs qu'on doit observer. Donc je reviens à la remarque que je faisais tout à l'heure. A priori, rien ne prouve que le numérique va être une solution de sobriété en soi. Et dans une ville comme celle-ci, où les transports en commun desservent très bien mon lieu, ce n'est pas un enjeu, ce report modal qu'on nous promettrait, ce report de, du déplacement physique vers le numérique. En tout cas, rien ne prouve que c'est efficace énergétiquement. On a deux questions. Oui, bonjour. bonjour. Euh, dans vos discussions non. avec les pouvoirs publics, euh, quelle est la réaction de, de cela, notamment par rapport aux investissements dans le numérique? Parce que c'est vrai que quand on écoute la présentation, je pense que c'est difficile de ne pas être euh, d'accord. Et du coup, on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'actions concrètes pour justement limiter certaines technologies euh, bah, ultra consommatrices. On est très omnibulé par des indicateurs purement économiques euh, qui décident parfois à la place des décideurs eux-mêmes. Donc, euh, je dis souvent que décider de ce qu'on mesure, c'est déjà décider de ce qu'on va décider. En fait, en choisissant le CO2, je m'occupe plus de mes petites sœurs et les enfants que j'aimerais avoir que. Euh, que de l'avenir du PIB par exemple. Donc on voit bien qu'il y a des difficultés. Cela dit dans les pouvoirs publics, il y a des réactions très diverses. Il y a des personnes qui sont très inscrites dans le local et qui disent bah oui c'est des enjeux en fait, de création de filières, de création d'emplois, ça paraît être du bon sens d'investir là Et puis il y a des échelles plus nationales, des enjeux plus politiques où parfois le message a du mal à passer et il y a des intermédiaires au sein de certaines institutions, il y a des gens qui travaillent sur la partie innovation et qui ont vocation à distribuer des subventions sur cette partie-là auprès d'acteurs culturels. Et en fait, ils me disent, moi, je suis pas à l'aise du tout avec ce qu'on nous demande. Mais ça, ils me le disent pas en officiel. Ils me le disent en off. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ouverture, la, la discussion, elle est possible. Et les gens sont en train de se demander pourquoi on le fait. Et a priori, comme tout le monde n'est pas au clair, les débats sont possibles. Donc, je pense que ça, ça, fait aussi partie des bonnes nouvelles. Ouais, j'en donne. Euh, ouais, je pense que ça fait partie des, des choses sur lesquelles on peut travailler. Il y a des acteurs au sein des institutions qui distribuent les subventions, qui commencent vraiment à en prendre conscience. Et il y a une demande des acteurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment fort dans le spectacle vivant. C'est à peine au commencement dans les arts visuels. Euh, il y a eu des choses côté cinéma avec le plan action du CNC. Je pense qu'on est qu'au tout début. Qu'est-ce que c'est voilà. le plan Action, pour, rapidement euh... Le plan Action, alors, je vous reprends directement exactement. au site du CNC, mais en gros, le CNC a créé un groupe de travail dédié euh, à l'écologie, euh, dont euh, Maxime Effouias, qui est membre du Shift Project, euh, fait partie. Et euh, le but, là, c'est de s'aligner avec les accords de Paris dans le secteur, donc de mesurer et euh, de prendre des décisions fortes en termes de réduction euh, d'impact. Donc vous pouvez voir, il y a toute une euh, liste de mesures, certaines assez symboliques, d'autres beaucoup plus concrètes. Euh, et ça commence vraiment euh, dès l'année prochaine. Donc, je, je trouve que euh, c'est intéressant en tout cas comme démarche. Donc, on voit que ça, ça bouge euh, au niveau institutionnel. Est-ce que c'est à la vitesse adéquate pour nous aligner avec les accords de Paris dans les temps euh, Pas encore. Est-ce que ça peut l'être Je crois qu'il y a une motivation certaine. J'ai peut-être une deuxième question rapide, ouais, si j'ai le temps. Euh, c'est plutôt du côté là cette fois-ci des médias nationaux. J'ai l'impression qu'il y a surtout un problème d'information ou. On parlait donc du, de, de l'événement à Lyon. Bon, L'appel des indépendants. L'appel ouais. des indépendants, pardon. Euh... Qui a eu lieu l'an dernier, à peu près, Ouais, c'est ça. Oui, vous n'avez pas pu y aller, mais est-ce que, justement, les médias nationaux, est-ce que vous arrivez à les avoir Est-ce qu'ils sont réceptifs à votre message Est-ce que vous arrivez à le faire passer dedans J'ai l'impression qu'il y a aussi un enjeu de, de, de grand public, en fait. Faire passer ces infos-là. Parce que le chiffre project est bientôt être invité, ouais, être invité dans les médias. Les raccroché avec une journaliste de libération en rentrant dans la salle. <laughs> Donc la question tombe à point nommé. Euh, ça commence, euh, c'est pas encore suffisant, mais en général, il y a quand même un manque de formation sur les enjeux énergie-climat à peu près partout. Et à cause de ce manque de formation, euh, les acteurs passent beaucoup, beaucoup de temps à taper à côté du problème. Puisque le problème est mal posé, c'est difficile de prendre les... Des bonnes mesures. Euh, sans surprise, du coup, on voit à peu près tous les établissements qui s'acharnent sur le tri des déchets, les éoliennes sur le toit, les ruches dans la cour, et en fait, on a réglé 0,5 ou 1% du bilan carbone de la structure, et on pense avoir fait le plus dur. Et donc après, il y a une grosse déception. Euh, donc moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même un gros manque de formation, et ça pose problème autant du côté euh, des artistes, des équipes techniques, des administrateurs, que des subventionneurs. Par exemple, la région Île-de-France a créé. Euh, un bonus à l'écotournage, mais qui est capable de dire ce qui est une décision éco-responsable chez le subventionneur et chez le producteur Et comment être sûr si les gens ne sont pas formés que cet argent ne va pas aller à remplacer juste les voitures par des voitures électriques et à faire le tri des déchets Parce que c'est beaucoup vers là qu'on va en ce moment. Donc, euh, ces enjeux de formation et d'information et de formation du grand public sont cruciaux et là vraiment pas que pour la culture. Je regarde petit coup d'œil sur l'heure. Euh, on s'arrête, qui est très bien. Je vois qu'on doit s'arrêter malheureusement. Euh, bon, ça, je pense Samuel, peut-être tu seras disposé à répondre à d'autres questions en dehors de la salle. Merci beaucoup d'avoir été ici. Merci beaucoup Samuel pour euh, cette présentation. Euh,